Bonjour petits et grands, c'est le moment de votre émission préférée, à savoir Côté Comics. Alors au sommaire du jour, il y a Julien qui va commencer avec les actus et les sorties de la semaine. En plus, il y en a beaucoup. J'ai lu pour vous avec Thomas, et enfin moi, je vais vous parler du commencement de Spider-Man, comment tout a été créé. Parce qu'avant d'arriver là, il faut commencer par le commencement. Et on va tout de suite rejoindre Julien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Relaxez-vous tranquillement et laissez-vous submerger par une vague d'actu et de sorties comics. Le film Avengers 2, qui s'appellera, je vous le rappelle, Age of Ultron, vient de signer deux nouveaux acteurs. On savait que les personnages de Scarlet Witch et Quicksilver seraient présents, cette suite de Joss Whedon, on sait maintenant qui les interprétera. Wanda Maximoff, la mutante au pouvoir capable de modifier la réalité, sera interprétée par la plus jeune des sœurs Olsen, Elizabeth. Alors que Pietro Maximoff, dont le pouvoir est la vitesse, prendra lui les traits d'un acteur déjà bien connu des fans de comics puisqu'il s'agit d'Alan Taylor Johnson, l'interprète de Kick-Ass. Tout ça et bien plus encore au printemps 2015. Marvel, toujours qui développe son univers sur tous les supports, il vient d'annoncer du lourd pour les séries télé. À partir de 2015 et en exclusivité sur la plateforme en ligne Netflix, nous aurons droit à 4 séries de 13 épisodes sur les personnages de Daredevil, Iron Fist, Luke Cage et Jessica Jones. Ces 4 héros seront ensuite regroupés dans une mini-série The Defenders. Réservez dès maintenant votre billet pour Hell's Kitchen. Du côté comics, on s'intéresse un peu à un éditeur dont on parle peu, mais qui fait son petit bout de chemin, Valiant Comics. Valiant s'est relancé en 2012 aux États-Unis avec des reboots de ses séries phares, que sont X-O Manowar, Harbinger ou encore Archer et Armstrong. Les tomes 1, d'ailleurs, sont disponibles en France chez Panini Comics depuis le mois de septembre. Après les premiers sorties en 2013, l'éditeur a annoncé une nouvelle vague de traditionnels numéro 0, servant à introduire les origines. Il y en aura 4, prévus pour février et mars 2014, centrés sur Archer pour la série Archer et Armstrong, le Hard Corps pour Bloodshot, The Goat pour Quantum and Woozy, et enfin sur Bleeding Monk pour Harbinger. Pour être plus complet sur Valiant, la toute nouvelle série de l'éditeur Shadowman arrivera en France le 15 janvier prochain. Elle est signée Justin Jordan et Patrick Zircher. Je finis en vous rappelant que la Paris Comics Expo se rapproche, ce sera les 23 et 24 novembre à l'espace Champré de Paris. À des rendez-vous immanquables des passionnés de comics, vous y retrouverez de nombreux artistes connus, dont Humberto Ramos, Liber Mero ou encore Carlos Pacheco, entre beaucoup d'autres. Les grands éditeurs français seront présents et côté comics aussi. Et si vous vous demandez justement quoi acheter à la Paris Comics Expo, eh ben ça tombe bien, voici les sorties comics de novembre. On s'intéresse de nouveau au duo Andy Deagle et Joe qui sont à l'honneur ce mois-ci chez Urban Comics avec 3 sorties. Après The Losers et Snapshot, vous pourrez retrouver la réédition de Green Arrow année 1 sortie en 2007. Comme son nom l'indique, il s'agit des origines du héros, de son naufrage sur une île déserte en tant qu'Oliver Queen jusqu'à son rôle de justicier et défenseur de Star City sous le costume de Green Arrow. Sûrement le récit d'origine le plus reconnu pour l'archivaire de DC Comics, si vous voulez découvrir ce personnage dans les comics, il n'y aura pas de meilleure occasion, sortie le 22 novembre. Autre réédition chez Urban Comics avec le graphic novel Joker. Après Lex Luthor, le scénariste Brian Azzarello s'intéresse à l'autre grand vilain DC Comics, dans une version très proche de celle interprétée par Heath Ledger dans le film The Dark Knight. Le Joker sort de l'asile d'Arkham et va devoir reprendre ses affaires en main, avec face à lui les autres criminels de Gotham City et bien sûr, Batman. Au dessin, on retrouve Liber Mero, dont vous avez déjà pu admirer le travail sur Batman Noël, et qui sera présent à la Paris Comics Expo. Un récit qui plaira aux fans du personnage, mais qui reste dans l'ensemble assez classique, et vaut surtout le coup pour son aspect graphique. Sortie prévue là aussi le 22 novembre. On finit Urban Comics avec l'arrivée du nouveau magazine Justice League Saga. On passe donc à 4 magazines mensuels, DC Saga n'est plus et laisse sa place à Superman Saga d'à côté qui débutera en janvier et donc ce Justice League Saga de l'autre. Pour son premier numéro, il accueille les séries Justice League, Justice League of America, Justice League Dark, Flash et Green Arrow. Il aura 2 couvertures variantes, une Green Arrow et une JLA exclusive à la Paris Comics Expo. Quoi de mieux que de se replonger dans les grands camps à l'approche de Noël? C'est ce que propose Panini Comics avec son Marvel Saga numéro 20, qui revisite les plus grands récits littéraires comme Moby Dick, Tom Sawyer, Achant de Noël ou encore Sherlock Holmes, mais avec un guide bien particulier, Deadpool. Le mercenaire préféré des lecteurs Marvel s'insinue dans les plus grandes histoires et amène sa touche de folie pour refaire un peu l'histoire à sa manière. Ça s'appelle Deadpool Killustrated et c'est signé Kellen Bunn et Matteo Lolli en kiosque le 19 novembre. Le premier tome de la série Outvert arrive en face du côté de Glénat Comics le 20 novembre. Il s'agit là des anciens travaux du très apprécié dessinateur Humberto Ramos, qui n'est encore jamais sorti en librairie en France. Brian Augustin signe le scénario qui voit un groupe de 4 adolescents essayer de contrer une menace démoniaque qui s'empare de leur petite ville d'Eldorado. A noter que pour l'occasion, Ramos a redessiné 3 couvertures, qui sont donc exclusives à cette sortie française. En bref, et toujours chez Glénat, on citera la sortie du tome 2 d'une série qui a fait le buzz cet été, Fanboy contre Zombie.
Milady Graphics, de son côté, ressort ses 3 tomes de la série d'horreur Cross dans une édition intégrale à un prix très abordable. L'excellente série Hawkeye de Fraction et Aja continue avec la sortie du tome 2. Deuxième et dernière partie de la mini-série Daredevil End of Days, qui suit l'enquête sur la mort du héros dans le futur. Nouvelle réédition d'Avengers contre X-Men, en version Deluxe cette fois. Et enfin, l'Event Flashpoint, qui a lancé le reboot de DC en 2011, rejoint lui aussi la librairie après un passage en kiosque. C'est tout pour l'actu et les sorties comics. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Et je vous laisse avec une petite blague. Eh ouais, allez, quel est le jeu favori des super-héros? Cap ou pas cap? Cap ou pas cap? Cap ou pas? Au revoir. Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Scary Godmother, qui est un excellent comics, à mi-chemin d'ailleurs entre le comics et le livre pour enfants, fait par Jill Thompson, qui part aux éditions Delcourt. Je vous en parle tout de suite. Dans cet album, Delcourt a réuni plusieurs petites histoires qui vont toutes avoir pour thème Halloween. Il s'agit de petites histoires qui sont assez sympathiques, pas trop effrayante, mais vraiment très très sympa. Dans la première, on va suivre un groupe de jeunes enfants qui vont faire la tournée des maisons pour récupérer des bonbons. Dans ce groupe, on va suivre Anna et son cousin Jimmy. Jimmy, qui est plus grand que Anna, va vouloir faire une farce à sa petite cousine et lui faire peur en l'enfermant dans une maison qui semble être une maison hantée. Une fois dans cette maison, la petite Anna en fait va tomber sur une sorcière qui va s'avérer être très sympathique, qui va à la fois la rassurer, lui présenter toute une panoplie de monstres effrayants, rigolos. Du coup, cette marraine va s'entendre avec cette petite fille pour retourner la plaisanterie et faire peur justement aux autres enfants. Scary Godmother est une création de Jill Thompson. Elle fait à la fois le scénario, le dessin, elle livre d'ailleurs des planches extraordinaires. Elle a d'ailleurs été récompensée par un Eisner Award de la meilleure illustratrice à l'occasion de la sortie de ses histoires. Scary Godmother, c'est vraiment une super bande dessinée, recommandée très très chaudement à tous les jeunes, mais également à tous les adultes qui ont regardé un peu de leur âme d'enfant. C'est parti pour le début de Spider-Man. Le personnage a été imaginé par Stan Lee en 1962 en s'inspirant d'un ancien personnage de Fly sur lequel Kirby avait travaillé. Stan Lee voulait créer un personnage différent avec de vrais problèmes et pas juste un super-héros comme tant d'autres. À l'époque, la légende dit que l'éditeur était moyennement chaud, qu'il trouvait l'idée ridicule, mais que d'un autre côté, le comic book Amazing Fantasy, dans lequel le personnage était supposé apparaître, était en train de se casser la figure au niveau des ventes, donc du coup, il a accepté. Bref, dans Amazing Fantasy XV, Spider-Man apparaît et c'est la révélation. La série The Amazing Spider-Man est lancée l'année suivante, en 1963. Pour les dessins, Stan, a d'abord demandé à Jack Kirby, mais le dessin ne collait pas à l'univers que Stan voulait faire. Il voulait un trait plus réaliste, moins super-héroïque justement, et c'est comme ça que Steve Ditko a été choisi. Rapidement, des bases sont posées avec des éléments assez rares concernant les super-héros pour l'époque. Le plus gros des changements concerne la raison qui pousse Parker à devenir Spider-Man, à savoir une erreur, un choix qu'il a dû faire, comme on en fait 50 par jour, mais qui aura de graves conséquences, à savoir, vous le savez, la mort de son oncle Ben. Pour prendre toute l'ampleur des dégâts, il faut prendre du recul. Tout comme la planète entière sait que Dark Vador est le père de Luke, la planète entière, ou presque, sait que Parker a perdu son oncle par sa faute. Mais quand c'est sorti, c'était énorme. Je veux dire, on a un personnage, on sait qu'il va devenir un super-héros, et on apprend finalement qu'il va le devenir parce qu'il a merdé, et qu'un homme est mort à cause de sa décision. Et ça, c'est pas rien, et encore moins en 62. D'autres éléments rares pour l'époque, on fout Peter Parker adolescent pour lui donner des problèmes d'ordre humain. L'adolescence étant jugée une période très difficile. Et c'est vrai que Stan Lee n'y va pas de main morte. Peter Parker est rejeté par le beau sexe, il est sans amis, voire souffre douleur. C'est vrai qu'on a déjà vu plus chanceux comme mec. Je crois qu'il ne lui manquait que les boutons sur le visage et on a vraiment la totale, quoi. Enfin, une autre petite spécificité dans un premier temps, Stan Lee crée un panthéon de super-vilains quasiment tous inspirés du monde animal. Avec par exemple le caméléon, le vautour, Rhino, le scorpion, le lézard, le chacal.
Certains des plus gros ennemis de Spider-Man apparaissent très tôt également, comme Octopus dès le numéro 2, le Bouffon Vert dans le numéro 4, Mysterio dans le 13 ou encore Shocker dans le 46. Voilà, il y a encore d'autres anecdotes concernant les débuts du tisseur, mais comme souvent, le temps il file très vite. Pour plus de détails, je vous conseille les intégrales Spider-Man éditées par Panini, c'est-à-dire les bons gros pavés jaunes là, qui sont de qualité, ou encore les trésors de Spider-Man Shore Collection, qui est également très très sympathique. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour de Spider-Man, et c'est également la fin de la mission. Oui, il y a Julien qui veut savoir si vous avez bien compris sa blague. Donc comme je le disais, c'est la fin de l'émission, on se retrouve très bientôt pour des aventures encore plus comics. D'ici là, portez-vous bien, attention aux araignées, soyez sages, et on vous attend tout vite sur notre page Facebook. Et Julien, il a encore plein de blagues en stock. Ciao tout le monde! Dès maintenant, tentez votre chance pour remporter les premiers tomes de deux séries Valiant, Harbinger et XO Manowar en répondant à la question suivante : en quelle année Valiant s'est relancée aux USA ? 2011, 2012 ou 2013 ? Envoyez votre réponse par mail à l'adresse suivante : concours@cotecomics.fr. Trois gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous !